Les amis téléspectateurs, bonsoir. Non pas M. Ivenson Frank, moins content avec vous pour présenter au téléjournal là. Rapidement, mais c'est un point cap de mini actualité. Président République là, Jovenel Moïse, qui était gagné à CLI, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, démissionné à agronome Jobert Saint-Grand, visité bloc plantation, diri, Nanvallée, la Thibonite Lan, hier dimanche 12 d'août là. C'était l'occasion pour chef l'État assister récolte diri qui t'a fait Nanvallée. Troisième centre Gemoplace avec la propagation végétale pays d'Haïti inauguré samedi 11 d'août là dans la commune Mafran, département Grand'Anse. Direction départementale l'Ouest là, DDO, annoncé lancement opération Boucler la Rue qui doit contribuer à renforcer la sécurité dans le pays. Il y a 3000 policiers qui mobilisés pour le département l'Ouest là. Première dame République là, Martine Moïse, visitée au week-end passé à Doreska Camisil, qui a couché 4 timoun dans l'hôpital, petit frère et sœur Incarnation Yo. Dans la commune Tabar, première dame l'an promet pour soutenir Famissa. Session extraordinaire examen baccalauréat a commencé lundi 13 d'août là, pour bout 17 d'août, cap Vinila, élève Yo, composé jeudi à en philosophie, ak en biologie. Rôle l'hôpital communautaire référentiel, défi qui gagne pour bailler soins et travail, il y a fait pour répondre à besoin patients qui te compte fréquenter centre Médecins sans frontières, c'est point ça yo qui était dans mi-temps discussion yo dans l'occasion 52e conférence lundi la presse ministère communication. C'est ensemble point nous allons développer pour un petit moment, restez branchés maintenant. Bienvenue dans le développement journal là, nous l'ouvrir à Capage à Météo que collaborateur nous, Wilner Ponibor, a présenté. Merci Pascal, branché Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous ensemble encore aujourd'hui à la prévision météorologique là, à la comment la situation arrive. On tropical qui t'a baillé la vie sous pays d'Haïti hier dimanche, il commence à éloigner considérablement. Il trouve lui sous Cuba. Il fait place avec une zone de haute pression qui l'a été le soit Atlantique Noir. Les situations ça va causer un temps qui bien va avec soleil au cours de journée, mais en soirée, dans la partie sud pays d'Haïti, au sud-ouest, il y a un gros janvier, fort isobar qui va influencer les conditions météo sous la partie sud-là, même si ce n'est pas gros la vie, mais le département Grand'Anse avec le sud, sud-est, qui a supposé gagner quelques activités la pluie en fin d'après-midi ou en soirée. Et la vie, ça va capable de faire la modérer, mais ce n'est pas gros la vie qui vient sous zone Sayo. Pour capitale là avec zone qui environne son capitale encore jeudi à cap en bas vent avec stabilité mais en soirée bien toujours une possibilité de Jean-Noël quelques passagers qui capables occasionner quelques averses puis non seulement en soirée mais au cours de nuit là et nous avons température qui a monté jeudi à jusqu'à 37 degrés et puis va la descendre la nuit là c'est 25 degrés Celsius une absence effet de chaleur pendant la soirée parce que la température c'est 24 degrés la descendre au cours de nuit là. Mais pour demain matin nous allons gagner un temps cap nuage sur partie sud pays d'Haïti. Même si pour région nord Santa Tibonite c'est pas longtemps qui ensoleillé avec vent, mais en fin d'après-midi en soirée, il y a un côté qui est situé entre Haïti et Cuba qui va convection dès demain. Activité la vie a renforcé sous pays. Et le fait que nous gagnons pile côté qui est saturé, nous avons des précautions avec prudence. Pour la mer, c'est un mer qui agite non seulement sous côte de l'Haïti et côte sud, nous m'a décapté en pile précaution par rapport à l'activité de la vie que nous prévoit. Il faut rester vigilant parce que pendant la mer, il y a agité, la visibilité a réduit par rapport à l'activité de la vie. Et pour page astronomique, là, sur la a couché aujourd'hui à 7h21 minutes et l'a levé demain matin à 6h30. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. J'ai noté annoncé l'Antitio, troisième centre Gemoplace avec propagation végétale pays d'Haïti,
inauguré samedi 11 août là dans la commune Mafran, département en Grand'Anse. Un centre qui va créer environ 282 jobs permanents dans l'espace là. Le centre a déjà gagné 3 millions de pieds-bois la donne sur 4,5 millions. Diverses qualités de pieds-bois autorité au visé planter dans l'espace là. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. À partir du troisième centre Germo Plaza, c'est environ 13,5 millions de plantules forestiers à fruitiers. Haïti a produit chaque année à raison de 4,5 millions de plantules par centre Germo Plaza. 60% d'entre eux, c'est pieds-bois qui baille fruit. Environ 3 millions de plantules déjà plantées dans l'espace. Parmi eux, une grande quantité de moringa benzolive. En même temps, c'est une véritable activité qui crée des jobs dans la zone. Côté ici là dans Mafran, il y a environ 280 emplois permanents. Pour dire une phrase, président, qui était mémorable pour nous dans l'environnement. Pendant mon temps là, il faut mettre structure pour l'argent à l'approche mounio et pour manger à l'issue de table. Environnement pas moins structure ça. Sans que j'aime au place, offrir, président, c'est un moyen que nous offrions pour que, même Jean, ingénieur Ligonde, se deal. Plus de 100 millions de dollars américains capables de rentrer dans l'assiette économique pays pour permettre effectivement plus de transformation. Est-ce qu'on prend? Monde qui nous fait usine pour transformer mango en jus, pour transformer boyave en jus, pâte boyave, etc., etc. Pour transformer véritable, pour transformer l'âme, pour transformer orange, etc. Président. Vision, ça va permettre que vous prenez le fier au terme de 4 ans pour quitter le pouvoir, pour dire, même gens intellectuels, vous dites en latin, non diem perdidi, ça veut dire, ou pas perdu temps. Rêve président républicain Jovenel Moïse gagné pour faire un reboisement en profondeur dans le pays à avancer. Saint Germain place à l'environnement. Gagné un centre comme ça déjà dans Lévis, Camperin, à Fondenet. C'est l'occasion pour le chef de l'État de parler de projet d'administration langue pour la commune Mafran. Nous faisons calcul si chaque pied bois est privé bas ou 3 millions de gouttes. Nous avons l'idée de combien de millions de gouttes. Nous avons planté tout pied bois. Tout le monde qui est là, qui est bien là, la caillou. Tout le monde qui est là, qui est bien là-bas, la caillou. Tout le monde qui est là, qui est bien mangou la caillou. Nous connaissons les récoltes vivées. L'âme a tellement produit. Et il y a une nouvelle qui dit M. Menza. Regardez tellement il y a l'âme. L'âme qu'on arrive dans le marché. Je vais vendre. Ça veut dire, c'est pour me dire nous, avec augmentation, l'âme ça, que Saint-Germain place ça pour le produit. Nous prenons la nécessité, je casse pour la transformation l'âme. Moi, je dis que l'État va faciliter le monde dans le secteur privé dans la grandeur. Qui eux-mêmes ont l'idée pour monter une usine de transformation, même si ça a commencé à faire pour nous. Il faut me dire que, il y a possibilité, si il y a un monde dans la grandeur qui a l'idée pour monter une usine de transformation produit agricole dans la grandeur véritable, l'État a une possibilité, je dis, pour Mounzao, pour faciliter à travers le ministère de l'Agriculture, il y a besoin de possibilités de crédit pour monter une usine de transformation. Pour l'âme véritable, pas obligé le pour l'âme véritable, pas obligé pour bien rester dans le marché. Saint-Germain Place, commune Mafran, il y a la donne, il y a un centre de compostage et préparation médium. Yon dépôt outil ak entran agricole, yon résidence pour cadre ak stagiaire, ak yon grand espace pépinière qui gen environ 8 ombrières pour mettre plantules yo. Responsable agence nationale air à protéger yo, Jean-Tel Joseph, applaudit initiative président Jovenel Moïse prend pour mettre 14 centres germo place avec propagation végétale dans tout le pays. D'après Jean-Tel Joseph, décision ça, bral gagnant impact positif sous espace végétal là, avec sous diverses variétés espèces qui menacent journée jeudi. À la tête et n'a pas, Jean-Tel Joseph, non micro Sabine Jean-Étienne. Je dis, Haïti avec un faible pourcentage
de couverture végétale. Donc toute forêt nous, par exemple forêt des pins, Pic Macaya, et ensemble de zones, zones ça yo, l'État va arrêter de déclarer air protégé et que nous même nous là pour nous protéger ressources ça yo. Vous capable constater jodi an Haïti bon problème, nous commencer bon carence d'eau. Qui ça fait nous des carences d'eau, c'est parce que n'a coupé pied bois yo qui ba nous sous l'eau, n'a jeté fatra dans rivière yo, nous a utilisé la mer nous en mal dans tout pays sous la terre. La mer yo il servi pour rentrer l'argent, pour rentrer devises pour pays yo, mais nous même nous fait servir de un deux pour trois fatra. C'est ça qui fait nous des deux types d'air protégés. Nous avons d'abord les aires protégées terrestres et les aires protégées. Donc, dans le cadre de travail PAN, je dis, nous avons 25 aires protégées déclarées à l'échelle nationale et nous avons identifié déjà une cinquantaine d'autres zones que nous estimons ça gagne comme réserve biosphère, ça gagne comme biodiversité, ça gagne comme élément de conservation que nous devons conserver et protéger. Donc là, dans le cadre de mission, nous avons travaillé pour nous renforcer la zone que nous gagnons pour nous protéger. Nous avons travaillé pour nous assurer la zone sérieuse de couverture végétale acceptable. Magistrat à commune Saint-Louis-du-Nord, Gaston Estima, exprimé contentement par rapport à divers projets qu'a réalisé dans la commune non. Dans le cadre de la caravane changement, l'IPRE travail saïobral bénéfique pour la population. Un reportage de Capson Jourdan à Capems Jean-Baptiste. Construction yon pont sous rivière bas à Kyon médiathèque, c'est quelque parmi notre projet gouvernement a réalisé dans la commune Saint-Louis-du-Nord dans le cadre de caravane changement. Pour pont, travail déjà réalisé à 90% d'après magistrat Saint-Louis-du-Nord, Gaston Estima. Pour le premier citoyen commune, lui fait connaître. Il était seulement béton qui pour couler sous lui. Alors que médiathèque là, boss qui sous chantier a travaillé à grand pas pour voir comment il a fini à travailler avant longtemps. Magistrat Gaston Estima, bat bravo pour penser qui va desservir plusieurs sections communales. Avec médiathèque là, qui va permettre jeunes nous joindre un espace pour mener activité culturelle. Pour commencer depuis 5 ans écoulés, et mais avec l'arrivée du président Jovenel Moïse, cardinal Wilson Lalo qui essaye de faire tout ça possible, tout ce qu'il va faire, comment pour ça capable de finir journée aujourd'hui. Soit garder bien ou après un pile effort faire pour exproprier le monde qui était sous côté à tabac et problème en pile, il a fini exproprier et maintenant ou après il a fini faire ferraille pour avancer à cheval. Il y a une médiathèque qui a construit plusieurs bandes béton qui a fait à travers la commune. Ouais, quoi que, et commune Saint-Louis-du-Nord a senti aux anges. Magistrat Gaston Estima, c'est parler de l'autre projet qui est déjà réalisé dans la commune, tant que bétonnage ou soufoua, pendant remercier le gouvernement pour l'initiative ça. Puis, il faut zone soufoua qui est en bétonné, quelques petits côtés qui sont bétonnés, c'est la terre où ils ont dit, comme Mendou déjà, il est toujours là, il a cherché, il a fait deux marches, il n'a pas dormi, il est nous à tout bon moment, il passe un petit pont, passerelle qui parle fait tout. Avec accompagnement sénateur Louis toujours, qui toujours rencontre nous-mêmes comme magistrat Kazek yo, pour dire ça pas arrêter comme ça. Projet Sayo qui est entré dans le cadre de caravane changement, c'est une stratégie gouvernement qui vise à la commune Saint-Louis-du-Nord dans notre visage et puis faciliter la population à fonctionner comme ça doit. Dossier éducation, session extraordinaire, examen baccalauréat yo commencé lundi 13 d'août là pour bout 17 d'août Cap Vinila. Élève philo yo composé dans des matières philosophie et biologie. Philo qui sorti dans diverses écoles dans Port-au-Prince, composé dans des matières philosophie et biologie pour premier journée examen yo. Dans quatre visites plusieurs centres examen parmi yo, lycée Alexandre Pétion à lycée Fritz Pierre-Louis, quelques candidats expliquaient comment épreuve la terre pour yo. Examen pas tellement du non. Bon, nous dégageons nous parce que nous dégageons nos chances déjà, nous l'autre chance. Bon, moi, fait tout le monde possible pour me faire passer. Je ne vais pas attendre que je me réussisse. Mais justement, moi, je viens de ma journée. Moi, et pour examiner ça, le soudé sans vous, moi-même, je pense que je vais faire moyen. Préparation normale. Nous travaillons malgré que nous n'avons pas de temps pour travailler. Nous avons des résultats trop tard, mais
Un travail. Vous souhaitez un résultat positif. Dégagez moi c'est bien parce que dans le premier examen, nous avons eu un exemple côté nous tomber. Nous avons fait nous tomber. Nous avons dégagé moi c'est bien. 12 salles de classe dans chaque lycée pour un effectif 30 élèves dans chaque salle. Ces déclarations sont celles des lycées Sayo. Responsable Sayo fait qu'on n'y a pas enregistré aucune irrégularité pendant le premier jour d'examen. Nous avons deux sections là. Nous avons une section C, nous avons une section B. Et 12 salles nous avons là, 7 sections C, 5 sections D. Et après, vous êtes très bien. Si vous n'avez pas plein pour excellent et ni pas plein pour le en tout, ils ont été venus à l'heure et puis ils ont cherché salio et nous aider à chercher salio en tout et pour ça, non là. Et puis ils ont rentré normalement et puis l'examen a commencé. Pas de irrégularité parce que l'examen est venu à 8h30 pendant la réunion et l'examen est venu à attendre. Nous avons annoncé dans Titio, première dame République là, Martine Moïse, visité au week-end passé à Doresca, Camisil, qui a couché 4 timounes dans l'hôpital Petit Frère et Sœur Incarnation Yo dans la commune Taba. Pendant la visite, ça, première dame non, Martine Moïse, fait qu'on est l'État haïtien, bras soutenu, Famissa. Reportage Falande Delphan avec Pierre Duvillier. De Resca Camisil, c'est notre dame qui a accouché 4 timounio dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs dans la commune Tabor. Dans le souci pour appuyer la famille Silla, première dame République Martine Moïse te rend visite dans l'hôpital là pour te offrir matériel pour petit bébé autant pour cuvette, trottinette, poudre et savonnette. Pour première dame, là, c'est une obligation pour lui te présenter dans ces circonstances là. C'est aussi pour montrer support à la famille pendant la première dame Martine Moïse by garantie l'État pour accompagner la famille ça qui a 7 timoun en total dans l'effectif. Chaque fois que tu as une femme qui a un problème, que tu as un problème, c'est maman mienne, nous toujours là pour venir pour soutenir. Camille, si tu as un premier petit déjà, il fait 4 ensemble, ça veut dire que tu as 5. Il y a 5 timoun qui sont responsabilité de lui-même avec Maril et tous les deux n'ont pas travail. Donc, dans le cas de moi-même comme première dame, il faut venir pour me donner des supports à eux-mêmes, à ces bébés. Parce que là où il y a un problème, il faut capable d'aider. Parce que regardez au maman, au seul coup, il y a 4 timounes que le pape prévoit. Il ne peut même te connaître s'il ne va pas faire 4 timounes. C'est venir, il vient accoucher, il fait un premier, il fait un deuxième, il vient saisir, il fait 4 jours. Parce que lui-même, il va te connaître. Donc, pour l'IA, il vient de 4 timounes sous bras, l'obligé de jouer le support de l'État. Parce que l'État est supposé aider. Parce que leur coulée à Camille, c'est 24 timounes, ils ne peuvent pas prendre soin de leur côté, ils ne peuvent pas prévoir ça. Mais ils vivent et les timounes ne font pas vivre. Donc moi là, je voulais que Camille connaisse que Marvel, je voulais que Camille connaisse que première dame, c'est première dame parle, première dame là, pour supporter, et moi je viens aujourd'hui, dans la petite phrase, je suis à côté de support. Permettre parents de joindre un travail décent, c'est un des principaux objectifs de première dame Martine Moïse fixé tête lui, ça qui peut aider dans l'évasion de timounes. Le palais sécurité, direction départementale l'Ouest, police nationale, a annoncé lundi 13 août l'opération Boucler la RIA, cap renforcer sécurité dans le pays. Porte-parole PNHTA, Michel-Ange Louis-Jeune, expliquait ensemble une disposition qui prend pour empêcher individu mal intentionné attaquer paisible citoyen cap vaquer à occupation. Yo. On suive plus d'explications dans le micro Midreille Milias et Robert Jean-Henri. Au département de l'Ouest, il y a bien 3000 policiers qui sont disponibles pour ça. Il y a bien 3000 policiers qui sont disponibles pour le département de l'Ouest. Là. D'accord? Mais ce qui est plus important dans l'opération, ça, c'est que on ne peut pas seulement avoir personnel policier dans la rue sans pas gagner des gradés qui accompagnent. Et après, toute unité spécialisée, il y a là. Et l'opération, ça, il est là 24 sur 24. Sauf différence là, c'est que vous avez remarqué la présence policière là beaucoup plus pointue dans l'heure de pointe. Parce que nous, mon pays, c'est, nous connaissons, c'est 8h, 4h. D'accord? Dans l'heure de pointe, vous avez la présence policière là les plus active que l'autre heure qui n'a pas trop activité. Mais toujours est-il, il y a bien des gens qui sont disponibles en cas où vous avez un bagage, que vous avez un monde qui est disponible pour répondre. Nous lançons une opération. Boucler la rue, pour qui ça nous relance l'opération là, parce que nous connaissons, chiffre yo là, même si nous pas parlé de chiffres jodi à là, mais c'est parce que nous pas des chiffres. N'attend, période de la finie, peut-être n'a fait un bilan, n'a qu'à dire où, ensemble d'opérations qui étaient faites déjà yo, à opération nous lancer qu'on y a là, qui côté nous sorti, et qui côté nous y est qu'on y a là. Mais c'est parce que chiffre yo pas là.
Nous pas les chiffres par là. Même quantité de plaintes nous avons recevoir avant l'opération, ils ont complètement diminué par rapport à nombre de plaintes que nous recevons qu'on y a là. Yon l'autre bord, la police nationale a annoncé qu'il y a un mézi Capran pour gagner un plus bon contrôle sur l'activité qu'a fait dans Nuitio. Commissaire principal Jean-Ismaël Auguste fait qu'on ait une décision ça venir à cause un pile monde qui a plein pour l'activité ça qui troublait la paix publique et puis qui finit trop tard dans la zone côté Yofel là. Jean-Ismaël Auguste a porté plus d'explications dans le micro Midré Milias avec Robert Jean-Henri Chef. Fait activité soit économique ou bien activité de loisirs qui générait, n'est-ce pas, des sons. Mais la seule chose, mon limite, ok, n'est-ce pas, de gain des efforts de maladie cap nuit collectivité. Automatiquement, que vous dépassez les limites là, ok, et bien la police normalement a rappelé à l'ordre et laissa ou une faire une infraction qui relie ou trouve à l'ordre public. Organisation sociale que disposition yo pral appliquer. C'est que nous annonçons les dispositions. Vous voyez? Mais, mon ami doit pas être de radio, il doit pas être de chance pour t'étendre une séquence nouvelle qui fait le mention de ça. Mais le fait avant que l'organisé activité à l'idée, si tu as parlé avec la police, et bien la police a appelé la disposition ça qui prend dans l'intérêt collectif. Donc nous bien dit que organiser question genre d'activité, c'est bien, mais lui pas doué déranger la entente, déranger tout. La police pas seul acteur qui n'a pas réagi ou qui n'a pas agi dans ce sens ça. Vous voyez? Donc, s'il le faut que nous ayons cohésion, nous ayons concertation avec d'autres acteurs tels que la justice ou politique qui jouent dans ce sens là, et bien que les vents ou alors gagner des décisions, n'est-ce pas, à tout niveau du droit, de façon à ce que les décisions arrivent dans les. Nous arrivons au moment pour nous prendre un coup de pause. Restez branchés, Naptonet poursuit l'information. Actualité à Barra poursuivre président République là, Jovenel Moïse, qui était gagné à Cli, ministre Arikilti, ressources naturelles et développement rural là, agronome Jobert Engrand, visité bloc plantation d'Irine dans vallée la Tiboniclan, hier dimanche 12 d'août là. C'était occasion pour chef l'État assister récolte d'Irine qui t'a faite dans vallée. Président Jovenel Moïse félicité 1700 plantés qui mettaient tête ensemble pour réaliser travail ça. Reportage à Saint-Croix. Duri sa yo ka prekolte nan blok 6 lokalite Kova nan vale la Tibonit lan, se realizasyon travay 1700 planter ki prete l'ajan a traver kooperative produksyon agrikol de Chapel nan fasilite yo produi plus duri nan vale ya. Yon inisiativ, prezident Republik lan Jovenel Moïse aplodi ki remet planter yo yon lo materyel agrikol pou koupe ak vonen duri yo pandan li promet pou kontinye akompanye planter yo nan renforse agrikultura nan kat program karavan chanjman. Mwen la avek planteur nan vale la Tibonit, mwen la avek planteur nan blok 6. On mouvman ke nou kreye de tout piyes, nou goumen pou nou tenete planteur chita ansam. Paske jan nou konen sa di nan peyi ya, on haisyen son kasav selman yo ka achete a de, paske yo separe yo chak pombo. Jodi a m'pense que moun ki te kon di sa yo nan blok 6 la ou pap ka di l'encore parce que y a 1700 moun ki met tête yo ensemble qui fait jodi a nou réaliser ça réaliser là 1700 haïtiens qui met tête yo ensemble l'état ba yo encadrement qu'il faut yo même yo pas tant moun vin faire œuvre pou yo dépenser nan poche yo plus passé 24 millions goud l'état vient en accompagnement à travers le ministère de l'Agriculture, les accompagner, nous croyons, j'ai un rapport que le ministre a fait dans le niveau 17 millions de gouttes. Je dis, ils ont dépensé pour faire 500 hectares pour le travail là. Entre ça, l'État encadré, et eux-mêmes, ça vous mettez, ils ont dépensé presque 43 millions de gouttes. D'après la première information que nous avons, nous avons eu le temps
a parlé de 4 tonnes du riz et demi. Pour récolte là, c'est pas pour année, non? Mais nous pouvons comprendre bien ça. Ça veut dire, longtemps nous avons fait 3-4 tonnes par année. Dans le récolte ça, côté on met tête ensemble. Yo bay terre quantité en grève ou yo bay quantité de l'eau pour yo bay yo rivé la première projection que yo gagne y a parlé de 4 tonnes et demi pour un récolte et non année valé à qu'on fait un 2 récoltes et demi jusqu'à 3 récoltes ça dépend de quantité de l'eau gagne. Ministre agriculture ressources naturelles et développement rural là agronome Joubert en grand fait connaître ministère a dirigé a pour permettre planter yo bénéficier plus engrais et puis renforcer ODVA. Deux machines que nous sommes qui travaillent là, non seulement ils permettent de économiser temps, mais tout la permettre de plus de travail qui fait dans la vallée. Mais ça, c'est un petit mot. Parce que non seulement nous parlons de travail sur engrais pour capable permettre non seulement de jouer les prix, mais tout pour capable de jouer dans le prix qui est bon pour eux. Restructurer au DVA pour capable permettre que les bail service là pour le Bali parce qu'il pas normal pour nous capable de 50 000 hectares nous pas non seulement nous pas capable de remercier président République Jovenel Moïse pour machine agricole ça yo capitule dans vallée. Nous vous remercions en pile président en pile merci trois fois. Chaque fête jodi a son miracle. Pas gen moun pense que nous arrivons dans situation ça. Pour une machine qui a pu récolter, vanter du riz pour nous. Renforcement bloc plantation du riz, c'est une idée chef d'État nourri pour bailler 270 000 tonnes du riz pour année. Dans le même sens, le président Jovenel Moïse a annoncé travail, irrigation et construction de routes agricoles après poursuivre dans la vallée de la Tibonite. L'autre information, bureau assistance légale Barreau Port-au-Prince réalisé lundi 13 d'août la 10e rencontre sectorielle qui gagne pour objectif faciliter échange avec organisation société civile là. Coordonnateur bureau assistance légale Port-au-Prince met Vital Junior Ressources profiter occasion 1 pour le présenter bilan réalisation bureau a sorti mois février arrivé journée jeudi à met Junior Dessous fait qu'on est bureau arrivé assisté 1393 moun. Parmi eux, il y a 526 détenus qui joignent libération, 74 lots condamnés et puis 316 moun joignent consultation gratis d'un niveau bureau. Depuis le 2 février 2018, date marquant le début de notre programme d'assistance légale jusqu'à aujourd'hui, nos avocats ont constaté que la violation de manière systématique et quotidienne les dispositions de cette loi garantissant le droit à la liberté de la personne qui n'est d'autre que la résultante de la détention préventive prolongée. Malgré une guerre sempiternelle lancée par le bal contre ce fléau qui déshumanise les justiciables ou les détenus, tantôt par nos assistants légaux, tantôt par notre task force, malheureusement encore jusqu'à date, il y a tant de détenus qui non seulement sont en attente d'une décision judiciaire, mais également qui ne sont jusqu'à présent présentés par devant leur juge naturel. Pendant 6 mois, le bal a utilisé beaucoup de stratégies d'enrayement de la détention préventive prolongée, car nous avons essayé de résoudre en amont ce problème, en donnant de l'assistance à une personne en conflit avec la loi dès son arrestation. Je vous dis sincèrement, cette stratégie a un effet positif sur le taux de la détention préventive prolongée, parce que le bal a constaté et même vérifié parfois pour la même infraction reprochée à quelqu'un que nos avocats ont libéré au tribunal de paix, certains détenus ont déjà plus de 2 ans en détention préventive prolongée, d'où la nécessité et l'importance de l'assistance légale dans un pays. Le bal a assisté 1393 personnes. Il a abouti à 526 libérations, 74 condamnations. Et au tribunal de paix, ou dans les tribunaux de paix, nous avons procédé à 314 libérations. Voilà, lorsque nous avons dit que nous avons agi en amont contre la détention préventive prolongée. Et au commissariat, nous avons procédé à la libération de 85 personnes. Et le bal n'a pas seulement le paramètre d'assistance aux détenus, il a aussi un paramètre de consultation. Durant cette période,
nous avons donné 316 consultations. Organisation non gouvernementale La Compassion Haïti célébrée au week-end passé à 50 l'année existence lisse au territoire national là. Cérémonie en déroulée en présence ministre Affaires étrangères démissionnaire Antonio Rodrigue. Plusieurs membres dans l'administration organisation qui a évolué dans parrainage Timounio. Reportage Fallon Delphin avec André Chia. C'était occasion pour autorité dans ministère Compassion qui sortit dans quelques autres pays vin assister à commémoration 50e anniversaire ONG ça qui est planté dans pays depuis 1968. Remise plaque honneur avec mérite, cérémonie danse avec chanté, retrouvailles, c'était différents parties qui étaient gagnés dans célébration si là. Directeur national Compassion International Haïti a te profité pour remercier tout acteur qui supporte l'organisation, soit comme ambassadeur ou bien volontaire. Ça qui rotation exporteur. Haïti a laissé sa marque sur de nombreux Canadiens. Pour le ministre Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue, c'était occasion pour te féliciter responsable pour le travail ça y a fait dans la société haïtienne et pour l'engagement tout y a prendre à contribuer dans la formation élite intellectuelle là. Au nom du président de la République, je voudrais vous présenter vos mille félicitations pour le travail réalisé. Car c'est quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée au pays, à la formation d'une élite intellectuelle dans le pays qui doit prendre la relève et permettre à ce pays qui traverse tant de problèmes de s'en sortir et de briller une nouvelle fois sur la scène mondiale. En ma qualité de ministre des Affaires étrangères et des cultes, je me sens honoré et heureux, comme je l'ai dit auparavant, d'être ici pour commémorer ce grand jour, ce jour du 50e anniversaire. Compassion International, c'est une organisation qui est basée dans 26 pays dans le monde entier. Ligue pour devise, retirer Timoun dans la pauvreté dans le nom Jésus. Dans l'année 2016, magazine Forbes est classé comme 15e plus grande organisation charité aux États-Unis. Shop Plus dans tête collée avec réseau haïtien journaliste en santé réalisé vendredi 10 août 2018. La diverses activités sensibilisation sous place Carl Brown à Port-au-Prince dans l'idée pour marquer journée internationale la jeunesse qui célébrait 12 août à Nessa sous thème espace sécurisé pour les jeunes. Lunel Jean-Louis avec Jean-André Chéri Abdino Plus dans Contrandi. Activité ça a été pour objectif sensibiliser jeunes qui vivent dans le quartier Salomon avec leur zone à voisinage sur éducation, responsabilité sexuelle et puis estime de soi. Responsable communication Shops Plus là, Gina Guillet de la Tour, expliquait l'importance célébration journée ça a gagné dans la vie géniaux. Pendant le fait qu'on est, activité ça a pour aider géniaux changer comportement, surtout dans les affaires sexe. Mais nous décidons de faire un prélude avec Joussa, qui c'est un jour côté et le monde entier mettez pour yo capable de penser avec jeune yo pour faire jeune yo tout penser avec tête yo pour yo connait qui ça yo vaut qui ça yo ca utile pays comme étant donné nous même dans Shops Plus nous avons un projet communication pour le changement de comportement et marketing social qui a travaillé avec jeune dans l'idée pour protéger yo dans l'idée pour protéger santé yo dans relation sexuelle qui a gagné pour yo pas prendre et faire petit ça qui yo pas de blessé qui yo pas de paré pour yo pas prendre maladie monde prendre faire sexe donc nous dit faut que nous fassions activité pour marquer jour avec yo pour capable faire yo même tout yo prendre conscience de tête yo prendre conscience que yo vaut mieux que ça n'attend que jeune yo même yo prendre conscience parce que c'est vrai grand pile message n'a lancé mais nous voulons que jeune yo même yo prendre conscience et que yo vaut plus. Yo prend conscience que yo ka utile tête yo prend conscience que yo ka réaliser rêve yo et yo utiliser méthode contraceptive yo ka permettre de réaliser rêve yo parmi lesquels gagner capote présent dans activité ça ancienne jeune premier ministre gouvernement jeunesse d'Haïti Mike Flesta Gourdet exprimer contentement pour participation dans activité ça qui d'après lui visait accompagner jeune yo nan ba yo bon genre information sur qui gens yo doit vivre dans sens ça. Les conseillers, tout jeune, prennent chemin l'école pour former tête yo. C'est avec des débats que nous faisons sur cause estime de soi, côté qui pral explique, qui pral faire jeune comprendre que les, pour former tête ou les ou éduquer,
ou pas prêt pour faire n'importe bagaille pour corps, ou pas prêt pour livrer ou à n'importe bagaille, ou pral plus quoi dans tête ou pral plus motivé parce que ou connaît ou formé, même Jean jodi ou gen droit à souffrir ou pas corps pour faire telle bagaille mais deux premièrement ou carencé, deuxièmement ou qu'après maladie qui va la ni pour garçon ni pour femme. C'est un devoir pour réseau haïtien journaliste en santé RHIS continuer à accompagner et puis sensibiliser jeunes yo dans pays a. D'après déclaration secrétaire général RHIS là au délai l'espérance pendant le fait qu'on est RHIS a travaille avec l'autre partenaire yo tant que Shops Plus et USAID pour toujours accompagner jeunes yo dans l'idée pour aider yo changer comportement. Nous gagnons un devoir envers la jeunesse, envers jeunesse pays ça que nous doué encadrer d'abord nous permettre à ce que chaque jeune monde capable couer beaucoup plus dans moun yo hier permettre que jeune yo couer dans ça représenter couer dans tête yo d'abord ça c'est premier niveau et puis deuxièmement pour nous permettre yo couer que c'est dans éducation c'est dans à l'école pour yo capable bin ça yo vle demain pour yo comprendre que pas gen limite pour yo partout à travers le monde yo ka faire exploit. Il suffit que vous formez tête yo. Pas que des moun koué fait yo koué que yo pas gen capacité, pas que des moun koué que yo gen limite et là avec sac nan tête yo la permettre yo avancer. Donc nous même nous impliquer dans campagne de sensibilisation ça avec Shops Plus pour nous voir comment que nous capable aider jeunes yo tout à faire prévention infection moun prendre faire bagaille. N'a rappelé activité pour marquer journée internationale la jeunesse là, c'est occasion pour diverses jeunes filles et jeunes garçons montrer talent yo. Dans l'occasion 52e conférence lundi la presse ministère communication recevoir lundi 13 août là directeur général ministère santé publique avec la population docteur Laurée Adrien qui était gagné à Cli directrice exécutive l'hôpital université l'état docteur Jessie Colimont conseiller technique ministère santé publique docteur Alix Lasseg. C'était occasion pour responsable parler sous rôle l'hôpital communautaire référentiel filles qui gagnent pour bail soin à travail, il a fait pour répondre avec besoin patients qui décomptent fréquenter centre médecins sans frontières. Un extrait d'un micro Rachel Saint-Fort avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a trait à médecins sans frontières qui était dans Delma 33, ça ne relève sans couillot qui fermait. Je te connais recevoir des femmes enceintes, mais des femmes enceintes avec des problèmes particuliers de la grossesse, ça ne relève des complications, des grossesses à haut risque. Nous pas de recevoir toute femme enceinte qui est dans le pays. Donc nous avons une structure qui est de recevoir l'autre femme enceinte. Évidemment, lorsque nous recevons un malade à risque, pour prendre malade là en charge, nous sommes tellement lourd que nous sommes presque absorber toutes les ressources qu'on gagne dans le système là, qui ne permettent pas qu'on offre un soin de qualité, même à des gens qui n'ont pas de gros complications. Ça nous fait, parce que je ne sais pas si détail, actuellement, nous sommes en train de renforcer. Et me peser sous moi, n'a pas renforcé capacité d'accueil maternité qui pipré Kouyo, c'est-à-dire maternité l'hôpital La Paix et service de pédiatrie. Nous commençons par deux services ça dans l'hôpital ça, premièrement parce que c'est eux-mêmes qui tout près donc moun qui était habitué venir dans Kouyo, ils ont un réflexe pour traverser sous côté pour jeune frère. Et l'en parler de renforcer capacité, c'est pas que n'a mettez plus cabane, n'a pas le fond l'autre plus gros l'hôpital, etc. C'est pas tant de plaisir. N'a pas agi sous personnel, là. Nous commençons à faire ça déjà. N'a pas agi sous accompagnement que nous comptons bailler l'hôpital, yo, en termes d'intrants et de médicaments. Et puis, nous avons agi tout sous équipement. Moi, je crois que nous répétons déjà, et M. Saint-Fontier dit le tout. Il y a une partie dans l'équipement qu'elle était qu'on utilisait, que l'y mettait gracieusement à disposition certaines institutions, dont l'hôpital ça a bénéficié d'eux. Est-ce qu'il y a un service de pédiatrie? Actuellement, si vous allez dans le service de pédiatrie, pour avoir que des travaux qui ont fait pour remettre en fonctionnement les services néonatologiques qui pour occuper de timoun prématuré, timoun a besoin spéciaux que Médecins Sans Frontières de occupé. Pour deuxième structure, là, c'est Médecins Sans Frontières Tabar, vous dites qu'il a annoncé que l'y pourra le fermer en 2019. Là, parce que nous commençons la préparation un petit peu mieux, mal de pour qui raison, il est beaucoup plus facile pour nous redistribuer malades obstétriques dans d'autres structures
que pour nous redistribuer malades traumatologiques, malades orthopédiques et traumatologiques. Donc, déjà, semaine dernière, nous avons réunion avec personnel service orthopédie de l'hôpital général pour nous connaître qui sont capables d'accompagner dans les besoins en personnel, besoin en matériel, besoin en matériel et en équipement pour capable absorber une partie de malades. Nous avons travaillé sur la fermeture prochaine Médecins sans frontières tabac et gagné, nous sommes parlé de un centre d'urgence d'Elma 2. Nous avons un service d'orthopédie à l'hôpital général. Mais nous avons tout deux projets spécifiques. Un, c'est construction, pour me dire, reconstruction, service d'urgence, l'hôpital universitaire La Paix. Et ça, discussion très avancée avec partenaires qui ont porté financement. Donc, dans un avenir pas très lointain, les travaux peuvent commencer. C'est-à-dire que nous allons mettre un service d'urgence, refaire service d'urgence La Paix pour permettre que les urgences hospitalières soient capables de gérer là. Deuxième structure là, c'est l'hôpital de référence de Bon Repos. Ça n'est pas l'ACR de Bon Repos. Hein. Côté que actuellement, les études sont en cours pour renforcer la capacité d'urgence de l'hôpital. Ça, nous mettons service d'urgence là dernier pour capable prendre la plupart des cas qui sont venus dans l'entrée nord capitale. Toujours dans le cadre de la 52e conférence lundi La Presse, là, directrice exécutive de l'hôpital Université de l'État, Dr Jessie Colimon, parlait sur un ensemble de problèmes qui lient à fonctionnement l'hôpital général dans la question soins. Puis loin, Dr Colimon, faisons ensemble recommandations pour consolider aux soins dans l'hôpital là et puis répondre à besoins population. Un extrait, Nanico Rachel Saint-Fort à Laurore d'Arly Jean-Jacques. Sur le plan quantitatif, nous avons 400 lits. Comme ressources humaines, nous avons 269 personnels administratifs, 130 médecins, 232 infirmières et auxiliaires, 65 techniciens paramédicaux, 300 agents d'entretien, 72 agents de sécurité. Et comme son hôpital de formation, nous avons 166 résidents en formation et 115 internes. Donc, fonctionnement de l'hôpital là, basé surtout sur recettes internes. Parce que 80% du budget alloué par le ministère, c'est dans le salaire. Là. Donc, qui pratique de soins, comment soins formés? Nous avons 19 services, okay, avec des services de base et de spécialité. Aux urgences, prise en charge là, gratis pendant 48 premières heures. Ok? Service d'urgence recevant en moyenne 1500 patients par mois. Mais service d'urgence a seulement une disponibilité de 30 lits. On parle de urgence grand monde. Urgence pédiatrie, ouais, dans service pédiatrie. Urgence femme enceinte, ouais, dans service maternité. Donc, pour le premier trimestre 2018, là, nous avons environ 7500 patients dans la clinique externe, parce que nous avons un service clinique externe, tout, mais nous avons interné plus de 1400 patients. Et donc, qui satisfaction passe tiens, dans l'échelle de soins et par vocation de l'hôpital, là, qui est submergé par tout patient qui vient de tous côtés, parce que l'hôpital général d'Olage, et parce que dans la culture, de pour si mal tête, c'est l'hôpital général. Donc il faut que la population appartienne en pile de nous. Donc tout soutien périphérique. Par exemple, si on a un monde qui est diarrhée, qui saute Carrefour, qui saute Delma, il doit atterrir l'hôpital général. Et pourtant, il doit prendre soin de l'autre côté. Donc en même temps, l'hôpital général, l'accueil doit abandonner. Les journalistes qui habituent à la visite, nous avons abandonné les gens sans parents, les gens démunis. Si vous joignez dans la rue, c'est l'hôpital général qui a mené. Et normalement, pour l'hôpital général, comme son hôpital public, il n'y a pas de droit à refuser les gens. 52e conférence lundi La Presse là, t'es occasion tout pour conseiller technique ministère santé publique à population, docteur Alix Lasseg, parler sous reconstruction l'hôpital Université l'État, changement cap gagné dans niveau service et puis sous plan gouvernance là.
Dans la même occasion, directeur exécutif, unité technique, exécution dans le ministère économie et financement, ingénieur Reynold Pouillot, expliquait le travail et reconstruction avancé pendant les 10 gagnants retard, yon l'année dans le délai livraison. Un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort, l'OAC, l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Passé dans l'hôpital de 700 lits que l'on a en hôpital de 500 lits à peu près. Pour qui ça réduction de nombre de lits d'hospitalisation? C'est parce que il y a un concept nouveau dans l'hôpital général qui est un hôpital moderne. Le concept nouveau, c'est que son hôpital qui prend un pile soin ambulatoire. Il prend ça s'arrêter des chirurgies de jour. Comme ça, il va réduire au maximum le temps d'hospitalisation de patients. Et si les patients sont moins hospitalisés, il n'y a aucune raison qu'ils auraient été couchés à l'hôpital. L'autre aspect important dans le concept nouveau, ça, c'est que l'hôpital est équipé avec un plateau technique au maximum. Ça signifie que tout le monde peut entrer à l'hôpital, il a fait toute bagaille pour vous dans le même jour. Il a fait l'examen laboratoire, il a fait l'examen radiologique traditionnel, mais l'hôpital a un scanner, a bien d'autres moyens techniques, a un service d'endoscopie, si bien que par un circuit de patients où Dieu est centré, je fais tout le bagage pour vous, concours à l'étranger, et en général, on va sortir avec un diagnostic et puis un traitement. Sur le plan gouvernance, ça a changé. Premier aspect qui pourrait changer, c'est que l'hôpital va censé parler des médecins en permanence. C'est ça, la permanence médicale. Aujourd'hui, pour essayer d'écouter, je suis capable de dire que travaux de construction de l'hôpital, essentiellement, travaux ça, pour chaque bâtiment, il y a allé de 69 à 80%, indépendamment de qui bâtiment. Essentiellement, les travaux qui restent à faire, c'est des travaux voirie, réseau divers, moins dino. C'est des travaux de finition en architecture. C'est des travaux de mécanique et des travaux de glace. L'autre nouvelle, député circonscription en Safoléa, lui, Marie Bonhomme, avec député Maud Saint-Nicolas, prêché en tente à mi-temps, député qui fait partie Alliance Parlementaire pour Haïti, bloc majoritaire dans la Chambre députée 1. Des parlementaires ont exprimé des accords face à la polémique qui gagnait entre parlementaires membres bloc ça, sous question ratification, déclaration politique générale, Premier ministre Jean-Henri Seyant. Un extrait dans le micro Fédéa Confident avec Moïse Wilbich. Responsabilité à partager à monde que responsabilité doit partager. Pas grâce à ce type de là. C'est comme tout le monde politique, nous-mêmes, la constitution en bas, nous ne doit pas droit. Et nous avons exercé sans pression. Nous n'avons pas prendre pression dans les personnes. Nous avons exercé droit pas droit. Depuis le Premier ministre venu là, il est correct. Il dégage une majorité. Alors non, là, c'est lui qui dégage la majorité. Depuis le dégage la majorité, il faut le parler avec le parti politique, député. Il faut le parler avec la société. Il faut le parler avec tout le monde pour parler. Et puis on va le parler. Nous-mêmes, ce qui est plus important pour nous, est-ce que le choix, ça, c'est un choix qui est vraiment capable de répondre à la revendication populaire? Est-ce que son choix vraiment capable de venir porter solution à tout problème? Ça capable de contribuer à porter solution à tout problème? Parce que l'ICL n'est pas capable de porter solution. Quelque chose à mon nom choisi, l'ICL n'est pas capable de solution à tout problème, vraiment. Mais c'est nous tous, haïtiens, qui pouvons mettre ensemble, qui pour permettre que solution soit portée. Moi-même, je pense que nous faisons approche des APH, qui est le bloc majoritaire en dedans de la Chambre députée. Moi-même, je lance un appel à tout député dans le bloc APH, qui est le bloc majoritaire, et en particulier à tout le monde qui a parlé dans la radio et dans nos blocs-là. Je souhaite que vous ressaisissiez parce que pays a grandi le problème, nous-mêmes nous grandi le problème, dans la circonscription de la CAI, nous grandi le problème. Moi-même personnellement, je ne pas dans le litige, je ne pas dans le conflit parce que nous avons le problème pour résoudre dans la circonscription. Et que je dis à l'État un moment pour nous à diviser, nous pas un moment pour nous à jouer, parler en pile, mais c'est un moment pour nous à réfléchir ensemble, pour nous connaître que, pour nous garder politique générale que le Premier ministre central vient avec là, est-ce que son politique générale qui réaliste? Est-ce que vraiment li vraiment adapté à la réalité moment?
Député circonscription Jérémien Gladys Saint-Jean, lundi avec député Kafoua Jacques Bouville, fait qu'on ait une ratification énoncée politique générale, yon premier ministre gagné un déphase, yon technique, l'autre la politique. Des parlementaires ont dit, dans le cas premier ministre Jean-Henri Séan, si techniquement pièce est correcte, la déclaration politique générale, premier ministre prouvé, est capable d'améliorer vie majorité population, yo, pour voter en faveur, pas question pour proposer ministre avec directeur général. Yon extrait dans le micro Fedner, confident avec Moïse Wilbich. Pour les bagages vérifier, c'est l'ensemble documents et PM nommé pour nous garder est-ce que ils répondent justement à ensemble critères que la constitution lui-même exigeait. Et par la suite, c'est pour le garder tout. Par rapport à personnage et par rapport à présentation politique générale, est-ce que nous est en mesure pour que lui adresser ensemble défis qui et sous terrain là, capitaine, et quel que soit au monde qui sorti et là comme premier ministre. Le processus de ratification ou bien énoncé politique générale, mon premier ministre, il y a deux aspects. Un aspect technique et un aspect politique. Moi-même étant comme parlementaire qui a soutenu la vision du président Jovenel, si Liban est premier ministre, il remplit les conditions techniques, c'est-à-dire toutes pièces qui ok, la bouteille. Aspect politique là, c'est convaincre moi. Parce que nous sommes dans une assemblée politique, il faut moi qui s'accroît le fait dans les jours qui viennent pour payer moi. Nous devons entrer à l'école. Politique, c'est le rapport de force, mais son jeu d'intérêt. Il faut moi intérêt communément d'abord, intérêt pays, et puis pour marcher. Nous allons faire un coup de pied tout court dans l'actualité internationale là. Une rencontre prévoit faite dans le mois de septembre à Cap Vinila entre président Corée du Nord Kim Jong-un et président Corée Sud là Moon Jae-in. Selon agent presse Sud coréen Yonhap, rencontre ça a déroulé dans Pyongyang qui c'est capitale pays Corée du Nord. Rencontre ça a déroulé 3 mois après ça qui était fait en Donald Trump avec Kim Jong-un. Sommet de décoréo pour faciliter échange sous différents grands dossiers importants. Là-dedans, sanctions économiques qui établissent sous Corée du Nord acte dossier dénucléarisation. Mais puis, au point, nous, t'es développé pour dans le journal là, président de la République là, Jovenel Moïse, qui t'est gagné à Cli, ministre de l'Agriculture, ressources naturelles et développement rural, démissionné agronome Jobert, c'est un grand, visité bloc plantation d'Irine, en vallée la Tibonite-Lan, hier dimanche 12 d'août là. C'était l'occasion pour chef l'État assister à récolte d'Irine qui t'a fait dans vallée. Troisième centre Gémoplace avec propagation végétale, pays d'Haïti, inauguré samedi 11 d'août, là, dans la commune Mafran, département Grand'Anse. Direction départementale l'Ouest, là, DDO a annoncé lancement opération Boucler la Rie, qui doit contribuer à renforcer la sécurité dans le pays. Il y a 3000 policiers qui mobilisés pour le département l'Ouest, là. Première dame République, là, Martine Moïse, visité week-end passé à Doreska, à Camisil, qui a couché 4 timoun dans l'hôpital, petit frère et sœur incarnés. C'est lundi 13 d'août là, pour bout 17 d'août Cap Vinila, et la vio composé jeudi en philosophie, ak en biologie. Rôle l'hôpital communautaire référentiel, défi qui gagne pour bas soins et travail à fait pour répondre avec besoin patients qui étaient contre fréquenter centre médecins sans frontières, c'est point ça yo qui était dans mi-temps discussion yo dans l'occasion 52e conférence lundi la presse ministère communication. C'est là n'a mettre en bout dans journal là, toute équipe là était content à porter le pour vous, n'a souhaité tout le monde passer un bon la nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti. Your job is fine.